Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mes amis au lac de Sainte-Croix, juste à côté des gorges du Verdon. J'avais organisé un pique-nique avec mes amis, mais ils étaient en retard. Alors, j'ai commencé à préparer les sandwichs. Des pains bagnats, la spécialité de la région niçoise. Un pain rond, du thon, des tomates, du poivre, du céleri, un œuf dur, des artichauts, des anchois, quelques olives noires de Nice et bien sûr, de l'huile d'olive. À ne mettre qu'à la fin pour éviter que le pain ne ramollisse. Miam, on allait déguster. Sauf que mes amis étaient beaucoup en retard. C'est pas grave, j'ai fait une sieste pour les attendre. C'est pas vrai. Mon pique-nique se faisait la malle dans les gorges. Il fallait que je le récupère. Mais j'avais pas envie de me mouiller. Tant pis, on mangera autre chose. Non, j'allais pas abandonner mon pique-nique comme ça. Impossible. Alors, je suis entrée dans les gorges. C'est l'un des plus grands et des plus beaux canyons d'Europe. 700 mètres de profondeur. Des rapides, des passages étroits. Waouh ! Je me suis sentie comme une aventurière. Voilà mon panier. Mais d'autres aussi avaient envie de mon pique-nique. Les poissons ! Ceux d'ici adorent les pains bagnats. Ah ah ! Mon panier flotte. En plus, je commençais vraiment à avoir faim. Heureusement, j'étais devenue une vraie aventurière. Enfin, presque. Yes ! Mais j'avais lâché la corde. Plus qu'une seule solution. Engager le combat. Ouf ! Elle était fraîche. Mais au moins, j'avais fait fuir les poissons. Et là, mon pique-nique ne pouvait plus m'échapper. Et mes amis étaient arrivés. Parfait. Mais avant de les rejoindre, j'avais bien mérité une petite récompense. J'y crois pas. Les poissons me volent mon kayak. Revenez ici. Je vous donne un pain bagnat contre mon kayak. Deux. Bon, il m'en reste que trois. Hein. Vous êtes durs en affaire à faire. Mais revenez. Thank you.